style, nouvelle casquette, on est en 2015, nouvelle vidéo, nouvelle casquette, et je vais vous faire tout au long de la vidéo des. Je vais vous montrer mes 8 casquettes du début jusqu'à la fin. J'ai à voir mes nouvelles, comme mes deux nouvelles, comme mes anciennes. Et voilà, j'ai à voir. Voilà. Ça c'est une des anciennes. Voilà, donc on continue la vidéo par la suite, etc. etc. Et je vais vous montrer aussi mes bonnets. Voilà, donc j'ai à voir mes bonnets, mes casquettes. Et au fur et à mesure, je vais les poser là, je vais vous montrer là. Là, c'est ma casquette swag et que j'ai porté à 2 minutes. Et à chaque fois, je vais me changer dans les matières. Ça c'est une autre casquette, c'est une de mes nouvelles. Ah. Ça fait 3. Ah, c'est une des vieilles que je mets plus. Wow, lolo. Du coup, je voulais montrer une par une. Ça c'est une des vieilles que je mets plus non plus. Tout pour le montrer. Il en reste 2. Donc là c'est Click, ça c'est New York. 8, hein, je vous ai dit 8, on a 2 dernières. Ça reste la même plus non plus, c'est pas les deux pourries. Ouais, ça là on va pas raconter, on va raconter toutes les autres. Et celle-là. Ça c'est la seule que je vais plus mettre du tout. Maintenant on va passer au bonnet. Bonnet. 4 bonnets pour une collection. Voilà, on va commencer par le plus classique, hein, le noir. Wesh. Comme on va faire le New York après ce que j'ai eu il y a pas longtemps. Viens me dire dans les commentaires lesquels vous préférez. Allez, ouais. Et le dernier, enfin le dernier color. Voilà ma collection de bonnets, de casquettes. Donc, dites-moi quelle je mets, laquelle je mets pas. Donc, pour cette vidéo, je vais mettre laquelle. Tiens, je vais mettre laquelle, je vais mettre celle-là. Ouais. Et on va commencer tout de suite la vidéo interview. Alors, là, au fur et à mesure, je vais changer de casquette, je vais faire des efforts pour vous. Ah, donc on va commencer cette interview par un petit changement de style. Vous avez vu mes casquettes, vous avez vu mes bonnets, vous avez vu celle que je mettrai plus en 2015, celle que je mettrai en 2016. Et voilà, donc c'est sûr que après c'est des casquettes tout à peu près pareil, ils ont à peu près la même taille. Ok. Voilà, donc même si j'ai plus de cheveux, je m'en bats les couilles, tu vois. Je mets des casquettes pour combler le manque de cheveux. Justement, c'est pas pour vous. C'est pour pas faire ma tête en vrai. C'est vrai que je fais des vidéos. J'ai toujours des chapeaux dans mes vidéos. Vous ne verrez jamais sans chapeau. Avant, vous m'avez vu sans chapeau au tout début de mes vidéos. Au début de ma carrière, parce que j'en avais plus. Et là, je commence à vieillir. Donc. Ce qui est logique, donc je suis bientôt à 21, donc
À force de bière, bah, je vais perdre des cheveux, donc voilà, c'est sûr, à force de mettre des casquettes et des bonnets, c'est sûr que... Voilà. J'en mets pas dans le quotidien, j'en mets pas quand je mange ou quand je dors, j'en mets seulement la journée. C'est pas mal. C'est... Bref. Pas grand chose à me dire après que Valentin m'a pas appelé. Pas appelé. Je sais pas pourquoi il m'appelle pas. Il a joué, sera avec moi. Il m'a pas appelé. Voilà.
Transformer I just watched San Andreas in 3D in this thing. It is relentless, it's entertaining, it's an experience. It's fucking terrifying, by the way. Not that I was scared, because I'm The Rock, but get ready, San Andreas. Voilà, c'est les vagues. Est-ce qu'on rit ou est-ce qu'on a peur? Jet waiting for me in the bathroom on a silver platter. One of my favorite personal hygiene products. This is crazy. When I was 15, I bought my first car from a crackhead for 40 bucks. Now I have this shit waiting on a silver platter. Moment of gratitude. On les croit jumeaux fusionnels, père et fille. Complexés par leur poids ou trop durs, mais les témoins que vous allez rencontrer ne sont pas du tout comme on les imagine. J'ai vu s'exister en tant qu'adulte et pas en tant que jumeau. Ça me permet d'avoir ma propre identité. Une fois que tu me parles d'identité, on a la même identité. Enfin, ça fait 18 ans qu'on a la même identité. On va pas vivre éternellement chez ta mère, hein. Je t'ai pas dit de l'abandonner, c'est juste qu'on prend un appartement ensemble. Tu vas où? Là où il n'y a pas ta mère. Quelque chose pour votre fille, monsieur? Non, ma femme, ma future femme. Je ne suis pas celui que vous croyez. Tellement vrai, inédit, présenté par Mathieu Delormeau, dimanche à 20h50 sur Énergie 12. Thank you.
tu as quoi? Coca, de l'eau, du jus ou de la vie. Aïe, 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 j'ai pas tout ça là, tiens, puis c'est ma faute, hein? Bon, demain, Coca, elle aime pas quoi? D'accord. Oui, elle aime pas quoi? Quoi? La commande est complète, j'ai déjà fait ça. T'en as combien? Ça fait tout beau, ouais, j'ai compris. Ça va aller? T'en aimes pas? Merci. Merci à toi. You know what to do with that big fat butt? Non, maybe. Star boy. Non, écoute, écoute. You know what to do with that big fat butt? Non, non. Calme-toi, écoute. Ta gueule, wiggle, wiggle. Je te peux coller. Ok. Vous avez vu toutes les casquettes, vous avez vu le style que je portais et tout, etc. Voilà. Je crois que c'était moi qui avais un message. Ok. Justement, je vais envoyer un message à ma chérie. J'ai pas eu tant de monde à marrant ça.
Pas beaucoup de temps parce que après je vais manger les gars. Bref. Oh là là, je sais pas comment je vais vous dire ce mec. Merci à tous de m'avoir suivi dessus ce jour. Soyez nombreux, nombreux. Je vous laisse, à tout à l'heure pour la vidéo. Sinon, je vais vous dire merci à tous de me suivre tous les jours. Je vais être présent, pour la prochaine vidéo. Pas du lourd. Je ne prends pas du lourd. Pas du lourd. Je vous dis, à tout à l'heure. Merci à tous. Peace.